Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, à vous abonner. Là, on est actuellement à plus de 700 en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Voilà, une belle participation aussi par les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre des channels Discord. Donc là, où il y a le lien dans la partie à propos de la chaîne YouTube. Vous avez un lien et vous allez pouvoir accéder à des channels pour discuter sur des sujets divers et variés liés à Linux, ou aussi parler sur l'évolution de la chaîne, etc. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément essentiel à l'heure actuelle, en tout cas c'est mon point de vue, en matière de développement, d'administration système, c'est GitLab. C'est un outil essentiel pour organiser son travail de manière assez importante, assez large. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, moi j'ai une forte préférence par rapport à GitHub, parce que GitHub, même s'il permet de s'organiser, il repose quand même assez sur l'aspect dépôt Git et moins sur d'autres aspects. Donc je le trouve assez moins sympathique. D'ailleurs, il y a des versions, on tombe très vite à vouloir payer quelque chose, quoi, en tout cas à être contraint de payer quelque chose, parce que voilà, dès lors qu'on veut avoir des dépôts privés, bah, c'est payant. Donc je trouve ça assez moins sympathique de ce côté-là. Et puis par ailleurs, bah, certains diront GitHub c'est Microsoft et donc c'est moins intéressant. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Alors GitLab, qu'est-ce que ça permet? GitLab, ça permet donc avant tout d'avoir un repository Git, donc d'avoir des dépôts Git avec tout ce qui va bien avec, hein, donc les branches, la visualisation des commits, des graphiques pour visualiser l'évolution des développements, etc. C'est aussi la possibilité d'avoir un wiki. Voilà, on fait des développements, bah, il faut documenter les choses. Donc en plus des README, bah, vous allez avoir des espaces pour documenter un peu ces choses-là. Et ce qui permet, quand on a différentes équipes, par exemple, on va avoir des développeurs qui vont développer des scripts ou des blocs de code, bah, ils vont pouvoir mettre en place, documenter à partir d'un wiki également, en plus des README. Et derrière, par exemple, la personne qui est chargée de mettre en production va pouvoir regarder ses wikis pour avoir des éléments plus détaillés que ce qui est présent dans les README. GitLab, c'est aussi un système de ticketing. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un gros outil de travail. Ça va permettre, par exemple, de pouvoir créer des tickets sur les développements en cours et dire voilà, je veux faire évoluer mon script, et puis je transmets ce ticket à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger, ou même se créer soi-même, donc s'organiser son travail par système de tickets. Certains le font pour dire j'ai telle et telle tâche à réaliser, je crée des tickets, ça me permet de tracer les choses, de savoir où j'en suis au niveau des tâches, qu'est-ce que j'avais, voilà, quand j'ai des idées de temps en temps, les noter et pas les perdre. L'autre élément aussi, c'est les pages statiques. Donc là, bien sûr, c'est pas des URL pardon, personnalisées, mais GitLab vous permet d'avoir des pages statiques, donc sur lesquelles vous allez pouvoir écrire des choses, etc., et les diffuser sur le web comme vous le souhaitez. Ça peut être utile pour des formations, des présentations ou autres. Alors ça, moins de gens le connaissent, c'est que GitLab, c'est aussi un registry Docker. Alors nous, moi, je vais la dé les démos quoi, qu'on va faire, la découverte de GitLab qu'on va faire ensemble, on va le faire sur le gitlab.com, pardon, qui lui dispose sans aucune intervention du registry Docker. Mais si vous souhaitez l'avoir sur un GitLab personnel, donc parce que vous pouvez installer vous-même votre GitLab, on va le voir à la fin. Donc vous pouvez avoir aussi la registry Docker intégrée à GitLab. Seule condition, c'est que la machine GitLab dispose d'une registry Docker d'installer également au même endroit, et puis une petite configuration, bien sûr. Mais ça se fait relativement bien. L'autre élément, et ça c'est extrêmement important, et c'est aussi très à la mode en ce moment, c'est l'aspect intégration continue. Donc il y a un volet GitLab CI, un module GitLab CI qui permet de faire de l'intégration continue. Et bien sûr, là on est sur quelque chose de très très complet, parce que d'un côté on va faire du développement sur des dépôts. Mais bien sûr, GitLab, ce qui va permettre, c'est de se dire voilà, j'ai reçu un commit sur un script qui a évolué, sur du code qui a évolué. Et bien derrière, je vais pouvoir enchaîner, je me suis aperçu qu'il y a un commit, donc ça veut dire que ça a évolué, je veux le tester. Donc les users vont pouvoir créer des pipelines de tests. Et derrière,
bah, GitLab automatiquement va lancer un support ad hoc, donc par exemple bah, du Docker, comment, des conteneurs Docker, va intégrer dedans lui-même le script, va le lancer, va le tester avec des tests qui peuvent être personnalisés, ou qui sont personnalisés même généralement. Et derrière, GitLab lui-même va pouvoir vous dire, OK, les tests se sont bien déroulés, l'intégration est donc possible. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Si vous voulez le voir en détail, on le reverra aussi hein, dans quelques vidéos. Mais si vous voulez déjà le voir, j'ai déjà fait une petite présentation dans la playlist Docker Compose sur cet aspect-là. GitLab, bien sûr, c'est aussi une gestion fine des ACL. Donc on va avoir différents users qui ont des espaces privés chacun. Mais ces espaces privés vont pouvoir être ensuite partagés par les users entre eux pour pouvoir travailler vraiment ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Alors les unités de base, justement, donc on a trois unités de base. On a les users, donc les users avec une gestion des droits, comme je vous le disais précédemment, la possibilité d'avoir une partie privée, une partie publique. Voilà. Les groupes, donc les groupes, c'est des ensembles de users. Donc on va pouvoir avoir un groupe d'un projet de développement et puis à côté, ben, un autre projet de développement. Ça permet aussi d'affecter des ACL beaucoup plus rapidement plutôt que de faire au cas par cas. Le projet, lui, c'est vraiment l'élément, on va dire, essentiel. C'est là où on va retrouver bah, les dépôts. Tout est organisé par projet, en fait, au niveau de GitLab. Donc, les registries, les repos, les wikis, les pages, etc. Tout ça est organisé par projet. Bien sûr, les projets, après, il y a des droits, c'est ce que je vous disais. Donc, les ACL sont gérés par projet. Le projet est utilisé par des users ou par des groupes. Le projet peut être public, donc là c'est vraiment ouvert à tout le monde sur Internet. Donc là en l'occurrence, ben moi voilà, à chaque fois que tous les scripts que je vous mets à disposition dans les liens des vidéos, ben, tous ces éléments-là, c'est on est dans des cadres de projets publics. Ça peut être un projet interne, dans ce cas-là, il faut être identifié à GitLab pour pouvoir y avoir accès. Et puis sinon, ça peut être des projets privés. Dans ce cas-là, c'est vraiment du au cas par cas. Donc par défaut, c'est privé strictement pour le user qui l'a créé. Mais après, on peut autoriser d'autres users ou d'autres groupes à y accéder. Alors l'installation classique de GitLab, je ne vais pas vous faire de démonstration ni pour l'une ni pour l'autre. Mais en tout cas, il y a deux types d'installation. Soit on fait la version, on va dire, classique, qui peut être un petit peu plus fastidieuse avec différentes étapes. Donc on installe du Ruby, du Go, du Node. Ensuite, on a tout un tas, une partie système user à configurer, une database, donc du Redis, la partie GitLab, donc le binaire à installer, et puis un Nginx dessus pour que ça fonctionne. Bon, voilà. Ça demande, on va dire, une bonne matinée pour s'installer un GitLab bien comme il faut, configurer un peu aux petits oignons. Sinon, il y a la version, alors, hop, il y a la version Docker. Donc là, je vous le mets dans la description. Vous allez avoir accès à tous ces éléments-là. Hop, voilà. Avec bien sûr un Docker Compose qui lui orchestre tout ce qu'on vient de voir, mais met tout ça dans un Docker. Et ça, c'est assez pratique parce que du coup, bah, votre GitLab, vous l'avez d'opérationnel, on va dire, en 5 minutes. Il faut savoir par contre que GitLab, comme on l'a vu tout de suite dans l'installation classique, ça utilise différents langages, ça utilise de la base de données, du binaire, etc. Donc ça demande un petit peu de ressources. C'est aussi pour ça que je ne vais pas vous faire les démonstrations, je ne vous les ferai pas sur mon micro. Là, j'ai que 4 Go de RAM. En même temps, j'enregistre les vidéos, ça sera un petit peu plus compliqué, donc je préfère ne pas le faire comme ça. Voilà, donc en plus, bon, ça permet donc l'élément important à retenir du Docker Compose, c'est cette partie-là, les volumes. Parce que voilà, si vous voulez arrêter votre conteneur, quoi, supprimer votre conteneur et en recréer un autre sans perdre les datas, il faut savoir que GitLab stocke à trois endroits des datas, on va dire, un petit peu critiques, ou en tout cas importantes. Le var opt GitLab, donc là c'est vraiment les datas de base de GitLab. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on fait un montage de la machine qui héberge Docker vers le conteneur. Donc ça, bon, vous pouvez vous rendre dans les playlists Docker pour y comprendre un petit peu quelque chose au niveau des volumes. On fait pareil pour la partie log de GitLab et on fait pareil pour la partie configuration de GitLab.
Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est à retenir si vous passez par ce mode-là. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser plus pour cette première vidéo. On a balayé, on va dire, de manière assez large, l'outil GitLab. Moi, la présentation, ensuite, on portera sur le gitlab.com. Donc vous pouvez vous créer un user si ce n'est pas déjà le cas. Ça vous permettra de travailler en parallèle. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.